podcast des opérateurs de Marseille. La programmation, c'est organiser, choisir et planifier la diffusion de programmes audiovisuels en fonction de différentes contraintes. C'est d'abord sur la forme, travailler sur une ossature de grille de diffusion en fonction de différentes contraintes. D'abord de contraintes légales, on ne diffuse pas n'importe quoi, n'importe quel moment. En fonction de contraintes techniques, quand il y a des directs, pas des directs, quand il y a des décrochages. Et en fonction de contraintes aussi contractuelles. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on achète, de ce qu'on coproduit, voilà, il y a des règles à respecter. C'est aussi travailler sur le fond, c'est-à-dire on choisit des programmes, et donc il faut qu'ils soient en adéquation avec la ligne éditoriale de la chaîne, qu'on respecte cette ligne éditoriale. Alors pour France 3 Corse Via Style, c'est une chaîne publique régionale de proximité et méditerranéenne, donc ça oriente en fait comment on agence les programmes et comment on les choisit, comment on les diffuse. France 3 Corse Via Style a une double spécificité, une spécificité technique puisqu'il existe deux antennes et une spécificité éditoriale puisqu'il s'agit d'une chaîne régionale de proximité mais aussi une chaîne méditerranéenne, ouverte sur la Méditerranée. En termes de contraintes techniques, en fait, on gère deux antennes. On gère une antenne qui diffuse 20-22 heures de programme quotidien, sur laquelle il y a une certaine forme de liberté dans l'agencement des programmes, et une chaîne qui reprend un schéma de diffusion, de grille de diffusion du réseau France Télévisions avec des contraintes de décrochage. Donc, en fait, il y a certaines cases qui sont préfigées, en fait, sur lequel on diffuse tous en même temps certains types de programmes. Et donc cette chaîne qui reprend ce schéma de régional reprend une partie des programmes qui sont diffusés sur Via Style. Donc en fait, il s'agit de ne pas proposer les mêmes programmes au même moment, mais qui est quand même une complémentarité éditoriale et dans l'ordre de diffusion de ces programmes en fonction de gestion de droits de diffusion. Et en fait, voilà, il se jouxte sans se jouxter. La programmation, c'est aussi gérer une contrainte très formelle. Il faut que ça rentre, entre guillemets, sur une playlist, en fait, sur une grille de diffusion. On ne diffuse pas n'importe quel format. C'est la règle du jeu, quelque part.